Yo yo les mecs, salut les techniciens et salut tout le monde. Ça va bien? Tranquille? Un petit merci. Et bah de rien. Récupérez votre pack icône de base en prêt pour 3 matchs. Je vais je vais aller récupérer les trucs à Kaifut, votre pack en boutique. Donc ça c'est l'icône de base en prêt, ok. J'espère une icône qui peut être utile. Mais après c'est que 3 matchs en vrai, donc c'est pas... On s'en fout un petit peu quoi. Et les panneaux ils sont en mode non rare. Peut-être parce que c'est une carte baby. Oh, Van Basten, ils vont me redonner le même que j'avais eu l'année dernière. Ah non, Van Nistelrooy. Bah autant vous dire que c'est pas fou. Ça va être très important cette année parce qu'on a des packs à récupérer, des crédits à récupérer, des joueurs aussi à récupérer. Hein. Vous l'avez vu, on a Za qui est possible. Donc quand t'as fini, je crois, la première saison, donc quand t'es niveau 30 par rapport à cette saison-là, je suis encore un peu perdu par rapport à ça. Mais de toute façon, plus on va jouer, plus les semaines vont passer et plus on va capter un petit peu le délire des saisons, quoi. Donc, ok. Donc là, il y a les petits points rouges. Donc logiquement, progression saison, là, j'ai un truc, non? Bonus crédit, ok. Niveau 2, 500 crédits. Mais j'ai déjà des bonus de crédit. J'en ai 1000. J'ai 1000 crédits par match, là. Donc est-ce que ça va s'accumuler? Je sais pas du tout. Moins fourni et moins... Ah oui, mais il n'y a pas de... Ah putain, mais il n'y a pas de rare. C'est mon prénom à l'envers. Mas. Ok. Lourd. Ah oui, hier, on m'a dit, il y a personne qui valide. Oh, il est parti à 3000. C'est quoi ce délire? Qui valide le logo, la personne? Parce que... Il y en a plein qui ont dit c'est de la merde. Je le trouve pas mal, je le trouve original. Après, bon, il y a marqué FCSB. Ça fait FC Susbit, t'as vu? Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Ça va être très très simple. Déjà, je vais vous poser une question, ok? Vous êtes prêts? Vous remarquez quoi exactement, les gars? Que des DC, bien sûr, les mecs. Que des DC. Pourquoi j'ai choisi que des DC? Parce que ça marche très très bien. Il y a plein de trucs, ouais. Il y a 5 gros championnats, full DC et 650 crédits maximum. C'est la première technique que je vous conseille. C'est pour ceux qui ont entre 2000 crédits, voire 3000 crédits, un peu plus quand même, et puis 10 000 crédits. Et là, ce qui vous intéresse le plus, que vous chopez le plus, c'est des mecs qui ont une carte, en fait, qui vous donne envie à vous aussi. Genre, imagine, tu commences FIFA Ultimate Team, tu dis, ah, tu vois, cette carte-là, j'ai envie de l'acheter. Faut vraiment que la carte, en fait, elle ait aussi une certaine valeur à tes yeux, tu vois ce que je veux dire? C'est important. Parce que sinon tu vas pas la vendre. Si elle est pas. Si la carte elle est dégueulasse pour toi, forcément tu vas pas faire de la charmante avec. Elle va être dégueulasse aussi pour les autres. Ok? Essaye de te faire 200 crédits par carte. Et il faut remplir la. Comment dire? La pile. Et donc du coup, Zaha, c'est celui-là qu'il nous faut. Après, il y a Tolisso et puis Lucas Vazquez. Mais moi, c'est Zaha qui m'intéresse. Zaha, il a une très belle carte. Vendez rien du tout. Gardez tout. Attendez les premiers fûts champions. S'il vous plaît. Parce que, bon, on me bassine depuis que l'IA Access est là. Je vends quand ci, je vends quand ça. Je sais pas si vous vous rappelez, hein. Hier ou avant-hier, on a regardé Ousmane Dembélé, il coûtait 16 000 crédits sur Xbox. Vous voulez voir son prix? Hein, pour ceux qui... Ouais, moi j'en ai rien à foutre, je vais vendre Ousmane, c'est bon, je veux mes crédits. Il coûte combien maintenant? Vas-y, vas-y, voilà, il coûte 35 000 crédits. Ceux qui ont vendu Ousmane, là, qui ont packé Ousmane et qui l'ont vendu à 17 000 crédits, ça va, votre deuxième trou de balle, il va bien? Donc je veux bien qu'il y en ait des personnes qui ont peur, est-ce que je vends lui? J'ai peur de perdre des crédits parce que j'aurais pu le vendre la semaine prochaine et j'aurais pu gratter 10 000 crédits. Je sais que vous êtes très très nombreux dans votre cas, gardez vos joueurs. Donc du coup, ouais, on va se faire du clash d'équipe, hein, c'est éclaté, mais bon. Moi je fais ça depuis très longtemps maintenant, depuis que le mode il existe. Je fais ça juste au début du jeu, histoire d'économiser un petit peu de crédit et de choper les packs. Mais après c'est le mieux, hein, voilà, après... Moi, on va dire, si vous suivez un petit peu la série et tout ce qu'on fait, bah, on est obligé de passer par là, quoi. T'es obligé d'avoir un entraîneur maintenant dans ton club, dans ton équipe, pour pouvoir lancer un match. Bah, mais oui, c'est la Team of the Week, je suis con. Hey, regardez leur entraîneur. Je suis mort. Voilà, frappe éclatée, gros. J'ai déjà une idée de notre première équipe, mais j'aurais peut-être besoin de vous, parce que je sais pas si j'aurai assez de crédits. Mais je pense qu'il me faut... Faut absolument que je garde des crédits, donc on va utiliser des joueurs que... Que j'ai déjà dans le club. Allez, Daoud. Daoud. Fin de frappe. Oh là là. Oh, l'ordinateur, il a vu flou. Aïe, aïe, aïe. Ça y va, mon gars. C'est encore Daoud, non? Enfin, les gestes techniques, c'est tellement nul quand t'es avec des joueurs qui sont pas très forts. Ça, Zaza. Bah moi j'adore quand je galère en fait, et je trouve que c'est beaucoup plus plaisant à jouer. Et quand tu packs un joueur de fou, gros, tu te dis putain de merde, t'es content, tu vois. Gros, l'année dernière j'ai eu que du cul et j'étais tellement content, je me dis voilà eSport, je joue au jeu et on me récompense parce que je joue au jeu, je me bute au jeu. En espérant que cette année on ait aussi la même chatte, mais voilà, après
On verra bien en vrai. Excellent les mecs, 1167 crédits. Il y en a, il doit se dire, ça pue la merde, mais gros, c'est tellement important en fait. Ah, quoique... Ouais. Oh, lourd. Il est lourd. Très très lourd. Ligue 2. Ligue 2. Ok. Yago. Wesh. Quelle est cette dinguerie là? Oh non. C'est qui? Putain, si on a un 66 de général sur la façade là, quand on ouvre le pack, c'est pas bon signe. Hein. Ah ouais. Et il est encore plus éclaté que le... Franchement, celui-là, il est pire. Hein. Il est pire. Il est sérieux lui? Ronaldinho. Non mais l'ordinateur, il s'est pris pour qui là? Il est malade. Il y a Messi, Salah, Mané. Putain. Je vais même pas parler là. C'est quoi ça? Gros, il m'a détruit le trou de balle. Bon, ce match-là, il va être un peu plus dur que prévu. Envoyer des joueurs hors là, parce que bordel, je vais un peu trop galérer. En plus, si on finit pas nos occasions, ça va pas le faire. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Là! Eh gros, t'as pas le droit de rater ça, Daoud. Il est vraiment pas fort, hein, je vous promets. C'est juste que mes joueurs, ils sont très nuls par rapport à les leurs. Ah là là, quelle merde. C'est quoi ce délire, là? Lourd, la défaite. C'est bien. C'est génial. On gagne quand même des crédits. En fait, j'essaye d'utiliser un maximum les Zaza et tout ça. Comme ça, au moins, je peux les jeter dans les SBC tranquillement. Mais je vais me faire niquer encore. Quoique, il a des mais il a Van Dijk. Ils ont... Ah, vas-y, c'est bon. Van Dijk, il saoule. T'es parti, t'es parti, t'es parti. T'es parti. Mais oui! Punaise! Merci! Bah écoute, c'est un stream de galérien. Voilà, tu vois, tu me déconcentres en plus. Espèce de traître, on a un traître dans le chat. Ah, ma division là, j'ai pas d'équipe en fait là. J'ai une vieille équipe de merde avec que des joueurs non échangeables. C'est une équipe, j'ai rien fait en fait. J'ai acheté personne, j'ai juste fait d'acharante, fait une équipe avec les joueurs que j'avais reçus dans les packs gratuits, et c'est tout quoi. Eh, pep pep, non c'est pas tout, on est au niveau 3, et on obtient un pack premium or. C'est un pack à 7500 ça je crois. Je vais aller voir d'abord les fondations, c'est quoi ça, palier? Non, j'ai cru voir un truc. Donc les fondations, marché des transferts, ok. On récupère 150 crédits, parfait. On n'est pas loin des 20 000. Hein. 20 000 crédits, là, c'est très bien. Ça va nous réserver, du coup, environ 10 000, ouais, 15 000 crédits pour une équipe. Et du coup, en solo, affronter une équipe mise en avant. On obtient un pack contrat, argent. Ça sert, mais c'est pas ouf. Pas se mentir. Hein. Mais par contre, on a 500 crédits et ça, c'est très très bien. Toujours bon à prendre. Toujours, toujours. Oh! Joueur noté entre 81 et 83. Oh, ça peut être lourd. Mais c'est à chier. Bon, du coup, on prend player. Oh, 1500 crédits. Allez, hop. Il y a que maintenant qu'on peut être content d'avoir 1500 crédits, gros. Allez, mangez-moi ça. Les crédits avec une forme équipe en or. Très, très bien. Il manque 145 points d'expérience. Pour être niveau 3 et avoir un pack premium or. Il me le faut ce pack premium or. Comment je peux faire les gars? Ah, il m'a donné Calvert-Lewin. Il m'a donné 3 or rares. 3 or. Allez, mange. Allez, hop. Allez, hop. Allez, hop, on va avoir les 500 points d'expérience direct là. On va avoir un pack à 7500 gratuit. Je comprends rien du tout. Allez. Ah ouais, ça compte double. Je mène 3-0. Oh là 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 là. Allez hop, 5-0. Dembélé, Mendes et RL. C'est un Français en plus. Il a eu que de la merde à part Daoud. Daoud, c'est pas trop mal. Le but à la 45e. C'est même la 49e. Voilà, c'est dans la boîte. Donc là, du coup, on obtient 500 points d'expérience. C'est juste parfait. Et donc, on obtient un pack
à 7500 crédits. Non échangeable. Non échangeable. C'est bien de le préciser. Mais j'espère qu'on aura un bon petit jour là-dedans. Hein. On doit compter sur des packs de merde quand même. On a 21 000 crédits, parfait. Et on va ouvrir donc les deux packs qu'on a, c'est quoi? Ah d'accord, c'est Célébration. Allez, Esport. C'est le moment de nous récompenser. Récompense le FC Galère, s'il vous plaît. C'est un rare. Oh, c'est... C'est quoi? Suisse? DC? C'est qui? Oh, Akanji! Oh, c'est lourd! Oh, il est... C'est archi lourd, mon gars! Akanji, il a des stats de porc. 83 général. C'est magnifique! On a encore un français. Ouais. En vrai, il peut être utilisable, j'ai envie de dire. Eina, milieu gauche. Oh, putain, il a pas les 4 étoiles. Donc, du coup, il va pas nous servir. Toro, ok. Et on a... Ok, bon. Akanji, gros. Akanji. Mais il est sale. Il a une carte sale. Putain, il vaut 25 000 crédits. C'est impressionnant, gros. Comment je l'ai eu, ce pack? Il y a que le FC Galère qui a ce genre de pack, en fait. On est bon, là. L'équipe, elle est lourde. On a Eredivisie, Ligue Portugaise, Bundesliga et Ligue 1. On a 4 ligues dans l'équipe. Pour une première équipe, c'est pas trop mal en soi. À savoir que cette équipe, je vais la jouer en Rivals. Bref, en tout cas, merci de m'avoir suivi. On se retrouve du coup demain. J'espère que j'aurai fini l'équipe entre-temps. Je vous montrerai à combien j'ai acheté Promesse, si j'ai réussi à la choper à 3005 maximum. Et du coup, bah voilà, on aura 10 000 crédits à mettre en achat en vente. Je mettrai mes 10 000 crédits directement en achat en vente et j'essaierai de les transformer en 20 000, 25 000 crédits. Et voilà, je pense que la pile, là, je vais l'effacer. Et demain, je vous montrerai quelle technique j'aurais fait pour avoir les nouveaux crédits, si j'arrive évidemment à trouver une nouvelle technique et à faire les nouveaux crédits. Bref, passez une très très bonne soirée, les mecs. Et ben, on se dit à demain, je pense. Passez une bonne soirée, les mecs, et puis on se dit à demain. Ciao, les gars.